C'est ici le change. Parfaitement, monsieur. Que puis-je pour vous? Voilà, je voudrais changer d'opinion. Bien sûr, monsieur. Vous voulez changer d'opinion sur le monde en général? Sur les femmes, le nucléaire? L'intégrisme dans l'islam? Non, sur mon beau-frère. Sans problème, monsieur. Voilà, je le trouve formidable. Ah. Mais vraiment formidable. Il est grand, blond, drôle. Il parle le kurde, le coréen, l'afghan. Et c'est un as du canoë-kayak. Bref, il m'épate et ça finit par m'étouffer un peu. Vous parlez bien de votre beau-frère Henri, celui qui se teint. Ah bon? Henri se teint? Oui, remarquez, c'est normal. C'est ce que font la plupart des gens à leur sortie de prison. Ils veulent avoir une nouvelle tête. Ah, parce qu'il a fait de la prison? 12 ans! Détournement de fonds, trafic de drogue, coups et blessures sur un vieillard. Et flagrant délit d'exhibitionnisme devant la maternelle du lycée Condorcet. Non, c'est pas possible. Votre femme ne vous en a jamais parlé? Mais non, Geneviève est au courant. Je suppose. Ça fait 6 ans qu'ils couchent ensemble. Oh le salaud! L'ordure. Oui, ça ne l'empêche pas de subjuguer tout le monde au canoë-kayak. C'est pas lui qui rame. Quoi? C'est un nain caché au fond du bateau qui pédale. Un nain dopé. Oh le porc! Le porc! Eh oui. Je vous remercie de m'avoir ouvert si vite les yeux sur mon beau-frère. C'est mon métier. Vous êtes formidable. Mais non, monsieur, mais non. Si, si, vous m'avez épatée. Vous êtes grande, élancée, intelligente. Et je suis sûre que vous faites très bien de la planche à voile. Quand je vois des femmes comme vous, je me sens peu de choses. Ça m'étouffe. Que je me biture tous les soirs après le turbin.